est le résultat d'une restauration extrêmement méticuleuse et poussée au détail. Et en même temps, pour tout le monde, le coup de volant d'un jeune espoir qui est en train de préparer un autre jouet, et c'est confidentiel, on verra ça l'année prochaine. Et pour le moment, vous voyez, et on a, vous voyez, un véhicule qui a une capacité de déformation de ses trains roulants par rapport à sa caisse. Et vu de derrière, on a l'impression qu'il va se disloquer, qui est très importante. Mais là encore, on se rend compte qu'il arrive à ses limites avec une remise arrachée. Et où il est arrivé au maximum de ses possibilités. Et où il a un petit peu de mal sur la zone du haut, manifestement, une difficulté rencontrée avec un autre Orange V8. De ces véhicules, c'est que, compte tenu de leur consommation gargantuesque, on est aux alentours de 15-17 litres au 100 quand même, en ayant les œufs sous le pied, on a la possibilité de racheter un véhicule pour un prix relativement modique et de le préparer pour des tarifs relativement abordables, parce que les pièces Land Rover sont quand même moins chères que les... C'est un moteur qui est choisi par l'ingénieur pour la simple et bonne raison. Les droits à Chrysler. Et il faut que vous sachiez que le bloc qui initialement cuvait 3,5 va petit à petit évoluer vers, dans sa dernière génération et de sa dernière formule, une cylindrée de 4,6 qui développait plus de 220 chevaux. C'est le même deal. Ça suppose un entretien rigoureux, nettoyage régulier, vérification des niveaux, ça c'est la base, et puis régulièrement des grosses interventions mécaniques. Il y a un concurrent qui va venir se présenter. Là, ce sort sans difficulté de cet obstacle. Alors, il est là.
d'échappement hier. Les clés sont à disposition du propriétaire du véhicule en question. Vous pouvez vous adresser à la buvette. On vous restituera vos clés. Attends, je zoome. Alors on attend bien entendu cet après-midi un public nombreux. Je compte. Les margeaux, dès qu'on leur parle sexe, tout de suite ils percutent. Alors donc, on se prépare dans 10 minutes à quart d'heure. Margeaux, crie quelqu'un. Mimine, pardon, Romain. Romain, tu es demandé. À côté de ton véhicule. Cet après-midi, la majeure partie d'entre vous ont deux ou trois zones à faire. Essayez de ne pas perdre de temps. Essayez de faire les zones successivement en marquant un petit temps d'arrêt entre les deux. De façon à ce qu'on puisse terminer vers 17h, 17h30, ça serait très bien. Pour rendre votre prestation encore plus savoureuse. Bon, là-bas derrière, c'est bon.